You better get on your face right here on this concrete. Hurry up! Surface. La violence, c'est ma moitié. Stéphane, Kezo de son nom de rappeur, il va mal. Rien ne s'est arrangé, pas de boulot et toujours dans la tête les mêmes regrets que l'an dernier. Mon erreur principale, ça a été d'arrêter l'école. Sans perspective, Kezo déprime. Il se lance souvent dans de grandes balades en solitaire où il ressasse les mêmes mots. Ghetto, galère, et Garba, les bagarres. Loin de sa bande, Kezo tombe le masque. On ne peut pas se refaire. On est ce qu'on est. Si dès le départ, on a été quelqu'un qui a connu la galère, ça sera toujours ça, parce que ça reste en soi. Et comme on dit, c'est foutu. Tu crois que ça va évoluer comment ? Qu'est-ce qui va évoluer ? Bah, le monde dans lequel on est, quoi. Moi, je dis que l'homme, il va évoluer. Ben, il va encore approfondir dans sa bêtise. C'est tout ce qu'il va trouver de mieux à faire. Les gens vont toujours continuer à se plaindre. Toujours la même chose. C'est qu'à temps qu'il crève et puis terminé. La descendance sera la suite. Se plaindre. Pas rien que ça, je pense. Toi, tu te plains un peu quand même. Tout le monde. Tout le monde se plaint. 24 heures sur 24, tout le monde se plaint. Et il n'y a que ça. Et on peut faire que ça, se plaindre. Mais c'est tout. Laisse mon frère, t'as pas ta place sur cette planète. Ce dossier, ce système nous te rendra débile. Franck, le chanteur. En dehors d'un petit boulot à mi-temps pendant un mois et demi, pas beaucoup de travail non plus cette année. Aujourd'hui, il vit encore chez ses parents. Pour ses deux petites sœurs et son petit frère, pour les gamins de la cité qu'il regarde grandir, il continue de s'inquiéter. Comme l'année dernière. Moi, je vois la génération surtout en dessous, là, ceux qui ont 10 ans, ça ne sera même pas la peine. Hein. Sur sa chaîne, il écoute le dernier son de Charlie, son complice parti se mettre au vert. Franck s'est un peu calmé. La violence entre bandes le fait réfléchir. Quand j'étais jeune, à la limite, on pouvait voir des jeunes se battre à main nue, à une batte de baseball, des petits couteaux comme ça, mais là, jusqu'à carrément. Fusil à pompe et que des jeunes même se promènent dans la rue avec un pistolet et en général c'est pas des grenades, c'est des vrais quoi. Et jusqu'à même balafrer des jeunes sans s'arrêter quoi. C'est pas un coup de balafre, c'est carrément il veut vraiment le. Il veut vraiment, comme s'il voulait vraiment le tuer quoi. C'est que. Ouais, elle pourra jamais baisser. Elle pourra jamais. Tant qu'il se passera pas quelque chose, je ne sais pas pourquoi les jeunes sont comme ça, quoi. Pourquoi on est comme ça, je comprends pas. Des fois, j'y réfléchis, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. On peut ressortir plein de choses, plein de problèmes, je veux dire, mais je vois pas lequel qui est vraiment lié à ça, quoi. C'est pas la pauvreté, quoi. À mon avis, non, c'est pas ça, c'est... Philippe Niel. À l'époque, c'était le directeur de la maison de quartier modèle, celle de la ville d'à côté. Il a choisi le calme, la tranquillité, lassé de subir les pressions permanentes. Dans quelques jours, il déménage pour la Bourgogne. À son poste, il a tenu 3 ans. Finalement, les excités du quartier auront eu raison de sa bonne volonté. Moi, je reviens à cette minorité. Cette minorité, eh ben, il faut assumer. C'est-à-dire que si elle ne respecte pas l'état de droit, eh ben, il faut qu'elle assume. Il faut qu'on mette en place en fait, des outils de répression. Et que ces outils de répression soient réels. Mais qu'on ne fasse pas de la démagogie en fait, avec cette minorité. Parce que même au niveau médiatique, en fait, ce qu'on a tendance à refléter, c'est
la banlieue, une masse de jeunes, etc., etc. C'est faux. Sur Vauréal, c'est quoi? C'est peut-être une vingtaine de jeunes. Et ces 20 jeunes, en fait, mènent la loi. Parce que personne n'est capable, en fait, de prendre des responsabilités. Ni d'un côté le réseau parental, ni de l'autre côté, en fait, les services publics. Et c'est ça qu'il faut changer. La peinture impressionniste laisse un peu froid Mohamed en ce petit matin. Son enthousiasme s'est émoussé, ses rêves d'insertion professionnelle rapide ont du plomb dans l'aile, c'était l'an dernier. Je suis en BTS, là, je suis en deuxième année, je le finis. Espérons que l'examen va bien se passer. On va bien voir, hein, de toute façon. Il faut partir sous de bonnes optiques, après on verra. Si la chance est là, c'est bien, si elle n'est pas là, bon bah tant pis, je vais pas en crever. Hein. Vous êtes dans quelle situation professionnelle? Ben, j'ai fini mon BTS productique en juin. D'accord. Et actuellement, je suis au chômage. Et d'accord. Et vous nous avez connu par quel journal? Par le Figaro. Ne quittez pas. Son quotidien aujourd'hui, les petites annonces et les CV. Il en a envoyé 800, dit-il. Chaque fois, la désillusion est au rendez-vous. Allô? Allô, oui. Ça y est, c'est arrivé. Bien, alors c'était quelle formation? AutoCAD, hein, c'est ça? Oui, AutoCAD. Ok. Alors le prix maintenant de cette formation est de 12 000 francs TTC. Oui. Ces 12 000 francs, vous pouvez les payer en plusieurs fois. Ah. En 4 fois, sur 4 mois, en 10 mois, en raison de 1 200 francs par mois, ou même sur 24 mois. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Tu sais, tu peux même pas faire de stage, rien du tout, de formation, rien. Je peux pas me compléter avec ma formation. Là, je suis là. Pourquoi tu peux pas te compléter? Pour faire ces 12 000 balles, tu me les donnes. Tu me donnes les 12 000 balles qu'il faut pour... Pas de travail parce que pas suffisamment d'expérience, pas de formation possible parce que pas d'argent. Et donc, le cercle infernal. Résultat, le père de Mohamed l'a expulsé du domicile familial. Il a trouvé un lit chez Mamadou, un autre membre du groupe. Allez où ? Allez, vas-y. De toute façon, une solution provisoire pour Mohamed. En attendant de trouver enfin du travail. Car il sait qu'il ne pourra pas rester longtemps ici, dans cette seule chambre, il y a déjà 8 garçons. Alors Mohamed voit son avenir s'obscurcir. Dis-toi bien que du jour au lendemain, si tu es confronté à la faim, à la graille, F-A-I-M, la faim, tu bouffes, et on te propose quelque chose de... Tu sais que c'est pas honnête. Tu fais quoi? T'es à la rue. Tu fais quoi? T'es humain, hein, faut que tu manges, faut que tu te loges. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas errer dans la rue comme ça, comme un clochard? Qu'est-ce que tu vas faire comme choix? Que tu le veuilles ou pas, ça va être ça, c'est tout. Alors qu'on vienne pas se plaindre à pas, c'est tout. C'est pas une question d'être faible de caractère ou d'autre. T'as essayé, t'as fait tout ton possible, on te donne pas ta chance. Du jour au lendemain, il faut bien se dire que les parents de Mamadou qui m'hébergent, ils vont pas m'héberger toute leur vie. Parce qu'ils le feront déjà pas pour leur fils. Alors pour moi qui suis pas leur fils, ils peuvent pas se le permettre. Et t'as bien vu qu'ils sont nombreux dans leur famille. Qu'est-ce que je fais? Moi, c'est d'ici de moi, j'ai toujours rien. J'ai toujours rien, je suis toujours dans la merde, tout. Je vois qu'on me propose un truc chelou. Je sais que c'est du tout ou rien. C'est-à-dire, si je réussis, je suis tranquille jusqu'à... Si je rate, je suis en prison, mais je suis quand même au chaud. Hein. Là-bas, je peux pratiquer mon sport, taekwondo tranquille, muscu à fond. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, je serais peinard. Je travaillerais les lyrics tous les jours dans la zone. J'aurais que ça à faire. Ah, là, 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 balancer les textes qui tombent là, comme ça. Dire ce que je pense. Mais tu vois, si tu réussis, tu sais que t'as tout. Si tu rates, tu sais qu'aussi de l'autre côté, tu seras pas à la rue non plus. Mais bordel, ils me prennent vraiment pour des cons. Je n'ose penser que ce genre de personnes viennent me faire la leçon avant de m'orienter vers le bien. Henri, dans le mal qui te guide, mec, tu parles dans le vide. Avant de m'orienter vers le bien. Henri, dans le mal qui te guide, mec, tu parles dans le vide. Avant de m'orienter vers le bien. Henri, dans le mal qui te guide, mec, tu parles dans le vide. Avant de m'orienter vers le bien. Henri, dans le mal qui te guide. Si tous les membres de la bande des Louvrais continuent à rapper chacun de leur côté, le groupe Disciples du Style, lui, n'existe plus. Malgré les tags, la salle réservée aux jeunes dans la maison de quartier continue d'ouvrir quelques heures par semaine jusqu'à la prochaine casse. Les plus petits de la cité continuent de mettre la pression sur des animateurs qui parfois ne font que passer. Le rap, quant à lui, continue de battre le tempo entre les barres de béton des cités de Pontoise
et d'ailleurs. T'avais là, je vais enchaîner les contrats, frérot. Je vais redescendre sur le sang. Je vais remonter à Paname sur la vie de ma mère. Tu vas te jurer, mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plomb. Sur la vie de ma mère, à dire, je me suis en train de m'envoyer sur un contrat. Je suis en train de rigoler. La vie de ma mère. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Légende de rue, nous allons raconter l'histoire d'une personne ayant fait grand bruit dans les médias ces derniers jours, l'histoire d'un jeune de 18 ans, qui a sombré dans les bas-fonds les plus sombres de la criminalité. Je veux bien évidemment parler du tueur à gages de la DZ Mafia, Matteo. L'histoire de Matteo est probablement l'histoire la plus choquante que j'ai abordée sur la chaîne, une histoire atypique, celle d'un jeune d'une petite ville des Bouches-du-Rhône, devenu un tueur sanguinaire, assoiffé de sang, malgré son âge extrêmement jeune, une histoire qu'on n'aurait jamais cru voir un jour dans un pays comme la France, mais comme souvent, la réalité a fini par dépasser la fiction. Le sicario de la DZ Mafia, Matteo, voici son histoire. Matteo est originaire de la ville de Gardanne, une petite ville située dans le département des Bouches-du-Rhône, non loin de Marseille. Je n'ai pas beaucoup d'informations concernant son enfance, tout ce que je sais c'est qu'il a un petit frère et une petite sœur qu'il apprécie beaucoup, et que ses parents n'ont pas été très présents dans sa vie. En effet, sa mère ne se préoccupait pas trop de lui, tandis que son père était un Corse qui avait plutôt une bonne situation, un yacht, un restaurant, mais il a divorcé avec sa mère, du coup Matteo s'est retrouvé livré à lui-même, il ne voyait pas ses parents, il était clairement sans repère. Le jeune Matteo se retrouve donc à traîner dans les rues, et, à 14 ans, il sera employé comme dealer dans la cité des Canourgues, à Salon de Provence. À cette époque, c'est-à-dire en 2018, dans la cité des Canourgues, se trouvaient deux points de deal, le point de deal du bâtiment U, et celui de la Renaissance. Un des points de deal appartenait à un certain Lazare, tandis que l'autre appartenait au clan de Marignane.